Salut tout le monde, c'est parti pour la suite de The Last of Us Part 1. On continue l'aventure. Et on est toujours dans la ville de Bill. Mais dans quoi tu t'es encore fourré, Bill? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seul là-bas. Il parle tout seul. Ouais, il n'y en a pas deux comme lui. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'ai besoin de rien là-dedans. Vas-y, prends ce que t'as envie. Merci. J'ai vu un groupe de chasseurs s'approcher dangereusement de la ville. Heureusement, une meute d'infectés les a chassés. Rappel, poser plus de panneaux d'avertissement, montrer qu'on ne rigole pas. Bah, je crois qu'il y a tout, hein. Alice, Ellie, si tu peux te casser. Merci. Y a quoi par ici? Elle a pas l'air d'être contente, Ellie. Alors dans quel pétrin tu t'es fourré? Et où est passé Tess? C'est juste un boulot, une livraison. C'est quoi le colis? Cette gamine? Ha ha, je vous emmerde. J'espère que tu sais ce que tu fais au moins. Non mais c'est quoi ce type? Alors on va où, Bill? Mon autre planque. Plutôt un gendarmerie. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Bon, tu sais réparer une... Bill, laisse-la. Je te l'ai dit, j'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé de la ville. Un coin où je mets jamais les pieds. Ça grouille d'infectés. Donc il nous faut plus d'armes. Et on te suit, Bill. Chut, y en a un à l'intérieur. Voilà, tu m'as pas répondu pour Tess. Je croyais que vous étiez inséparables tous les deux. Occupé. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, un truc comme ça. Allez, on y va. Ok, on est paré. On va se faire un petit surin. C'est la porte qui grince. Pourquoi vous réparez pas l'une de ces voitures? Ma parole, t'es un petit génie, toi. Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une. Ok, arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Vous avez fini? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnoles neuves. Antenne! Tiens-toi prêt! Ah!
se casse. Toujours en vie. Bon. Il faudra que tu vérifies les barricades. Voilà ce qui arrive quand on fait pas gaffe aux petits détails. Tu sais ce qui t'attend? Faudra récupérer le matos dans l'entrepôt et l'emmener jusqu'à la barrière. Encore. Ça va te prendre. Bill? Joël? Par là. Allez, on monte. Ok, 2 secondes. Donc ici, on a une barre de fer. On a des briques un peu partout. Pas mal le petit piège de Bill. Alex Raymond. J'aurais pu choisir un autre endroit où crêcher. Tu sais, ces trucs sont horribles, mais au moins, ils sont frais visibles. C'est les gens normaux qui me foutent les jetons. T'es bien placé pour comprendre ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Rien. Tu crois que cette porte va les retenir? Ils ont pas la clé, moi si. Bon, c'est par où? On y est. C'est au sous-sol. Ok, let's go. Allez, on descend. Bon, nous y voilà. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte ? Il faut s'équiper. Non, non. Quoi? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joël, je peux me défendre toute seule. Non. Écoute, reste là. Ok. J'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide. En fait, c'est son idée. Vraiment? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Hé hey! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches? Je t'ai dit quoi? Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde.
Continue à jouer les babysitters et tout ça va finir par te péter à la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça? Tiens. On va en finir avec ça. Bon, avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est? J'ai un nouveau joujou à te montrer. Petit fusil à pompe. On va fouiller. Healthy Man. Et qu'est-ce qu'elle regardait déjà ici? Hard Man. Ok. Voici une bombe à clous. Fais attention avec ça. En explosant, ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. Ouais, j'ai vu quelques-uns de tes jouets. Pas mal, hein. Cool. On a des fusils et des bombes. On est censé en faire quoi, au juste? De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Je suppose qu'ils cherchent des provisions. Si vous pouviez voir tous les trucs qu'ils repèrent pas. Enfin bref. Il y a quelques mois, en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut, et il a fini par se cracher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo! Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là. Mais on s'en fout! Joël veut une caisse! Et si elle est bousillée? Non, ces camions sont de vrais tanks. Je suis sûr qu'elle est intacte. Ça pourrait marcher. Les outils permettent à Joël d'accéder à plus d'améliorations d'armes sur les établis. Yes. Bon, on est plutôt pas mal là. Très bien. Ok, étui d'armes longues. On va prioriser. Ouais, priorité à. Ouais, je sais pas en fait. Allez, priorité à l'étui d'armes longues. Confectionner. Il fait ça bien. Alors il nous reste 109 boulons. Ah bah je peux faire les deux, nickel. Confectionner.
On va améliorer le fusil de chasse, vitesse de rechargement. Ok, on va améliorer le recul. Vraiment stylé l'établi. Ok, on a tout. Ça ira très bien. Je suis prêt pour la guerre. Je te préviens, petite, si t'as piqué un truc. Hey, mec. J'ai pas besoin de toi, crois-moi. Joël, j'espère que tu surveilles la petite. Je l'ai à l'œil. T'inquiète, Bill. Ok, on peut pas monter. Waouh. C'est sympa chez toi. Si t'as quelque chose à confesser, c'est l'endroit idéal. C'est pas le confessionnal ici, c'est ma chambre. Ok, c'est bon, je touche à rien. Un groupe de coureurs a déclenché la plupart des bombes au sud de la ville, il va falloir un autre passage, ne pas oublier de noter les emplacements des bombes sur la carte. Ok, je prends, stimulant. Sur un plein. Allez, rassemblez vos affaires. Allez, viens. Là, c'est le lycée. Ok. C'est bon? On verra bien. Beau. Oh la vache. Allez, viens, t'as pas besoin de voir ça. J'ai vu pire. Ok, comme tu veux. Allez, on se bouge. Je m'en occupe. Hey, vous entendez ça? Silence.
Je l'avais pas vu, lui. On peut se faire plaisir un peu quand même. La branche, elle m'a fait peur. Ils ont pas laissé grand chose. Ah, j'ai cru que j'avais fini. C'est nombreux, dis donc. Je crois que c'est bon. Bien joué. On n'est pas encore à l'abri. Ça, niveau munitions, ils sont généreux quand même. Petite plante. Fermé. Attendez, j'ai la clé de cette porte. Il va falloir qu'on soit discret. Doucement, doucement. On va voir s'il n'y a pas des petites flèches derrière. Dalle. Il y a un clacos. Cet endroit, hein. Ah,
Où est cet enfoiré? Ah, j'ai envie d'utiliser un surin, mais... Eh hey Bill, barre-toi. Peter M. Rosick. Rosick. Ok, que dalle ici. Arrêtez de paniquer. Bon, à mon avis, il y a plusieurs claqueurs. Les nains de jardin, Ellie. Ok, ici on a rien. Un 2 plus un claqueur. Yeah.
Un claqueur. Ok, ok. On va pas se faire chier. Non, ça, il risque pas de venir vers moi. Le claqueur, hein. C'était pas mal. Je pourrais vous aider à buter ces enfoirés. Merde, beaucoup de là. C'est clair, Ellie. Ok, let's go. Des flèches. Nickel. Qu'est-ce que tu dis de ça? Par là. C'est bloqué. Et si on passait par là? Quoi, la chatière? C'est toi qui vois, Joël. Surtout, très attention. T'inquiète. T'aurais peut-être dû lui filer un flingue. Ok, Bill. Oh. Il y a d'autres claqueurs à l'intérieur de la maison. Ils nous ont pas encore repérés. Faites gaffe. Attention. J'avoue, même en difficile, les munitions, ils sont là. Hein. Ah, j'ai pas vu. Ah, lui aussi. Ok. Je crois qu'on va les... On va les buter. Viens, on va pas traîner. On entre, on chope la batterie et on se casse. J'ai pas envie de rester piégé. D'accord, c'est compris. Ouais, faut quand même que je garde des munitions pour le lycée.
Oui, c'est pas mal les vitres, hein. Ok, on a quoi par ici? Rien. Ouais, ça a changé ici, hein, je suis pas sûr que c'était comme ça avant. Je crois que c'était juste une chambre. Il n'y a pas de truc d'architecte. Qu'il y a une autre chambre? Non. Allez, on grimpe. On passe par-dessus le camping-car. Ça devrait être bon. Allez, 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 allez. Qui a bien pu laisser ça ici? Vous avez des amis en ville? Non. Mais je crois bien savoir qui a pu passer par là. Le lycée est de l'autre côté de la maison. Il faut qu'on entre. Allez, Ellie. La petite niche. Pauvre chiant. Ok, y a rien par ici. Attention aux détails. Mais j'ai oublié, elle est bien faite. Est-ce que j'ai fouillé là-bas? Let's go! Je crois qu'on est tranquille. Pour l'instant. Saloperie. Personne n'a été mordu au moins. Non, j'ai rien. On va tous bien, on avance. Ah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Ok, on a quoi par ici? Hé, hey, Joël! Ouais. Je reviens, Bill. Octobre, c'est officiel, l'école est fermée pour une durée indéterminée. Cette épidémie aura au moins eu un effet positif. Pas d'école, pas de devoirs, et ça me va très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre? 5 octobre, maman et papa se sont disputés, ils se criaient dessus tout en chuchotant, bizarre. J'ai cru comprendre que maman voulait aller chez sa sœur. Papa lui a dit qu'on était en sécurité ici, que l'épidémie nous atteindrait pas. 6 octobre, papa m'a engueulé parce que j'écoutais la radio, il dit que les infos racontent que des conneries, maman lui a donné raison en essayant d'être convaincante,
Mais je sais qu'elle flippe. Ils flippent tous les deux. 7 octobre. Je crois que papa s'en veut pour hier. Gadget a dormi dans mon lit et papa n'a rien dit. Il est entré, l'a caressé, a soupiré et il est reparti. Je l'avais jamais vu comme ça. 10 octobre. Papa consolait maman hier soir. Tante Karen est morte. Du moins, c'est ce que je crois avoir entendu. Au petit déjeuner, personne ne disait rien, comme si rien ne s'était passé. J'ai joué le jeu. 15 octobre. L'officier Jones est venu parler à papa, ou plutôt il est venu chuchoter avec lui, c'est la mode ces jours-ci. Ensuite, papa nous a dit qu'on devait quitter la ville, changer de maison, et que les militaires nous protégeraient. J'ai le droit d'emporter qu'un sac, maman n'a pas réagi. 16 octobre, où on va, les animaux ne sont pas admis, on est allé jusqu'à la sortie de la ville avec Gadget. Je lui ai enlevé son collier et je l'ai laissé partir. Sur le retour, papa n'a pas arrêté de dire qu'il irait bien, qu'il était fait pour vivre dans la nature, en liberté. N'importe quoi. 17 octobre, c'est l'heure. Papa a dit qu'on sera de retour en un rien de temps. Je crois qu'il se gourre. T'as les bâtards. Gadgets. Les enfoirés. Je peux te parler une seconde? Ouais. Je voulais juste m'excuser pour Tess. C'est tout. Je reviendrai plus là-dessus. Ellie, t'as pas besoin de t'en faire pour moi. On devrait rejoindre Bill. D'accord. Mais c'est sympa quand même. Les enfants, ils ont abandonné le chien. Besoin d'un coup de main. Ah bah tu vas attendre. Je l'avais dit. Voilà le camion, juste devant le lycée là-bas. Allez. Ça grouille d'infectés là-haut. Essayez de pas faire de bruit. On va surtout utiliser l'arc. Je crois que je lui ai fait un quick shot. Whoops. On va essayer de récupérer nos flèches quand même. Putain, il arrive à me voir par ici. Ah!
On va essayer de pas foirer cette fois-ci. Allez, grosse claque. Putain, à chaque fois que j'oublie, je peux pas esquiver. Voilà. Fusil à pompe, on est bon. Je récupère ma flèche. Sérieusement, bordel. Ma foi, je m'attendais à pire que ça. Il se planque peut-être ailleurs. Vaut mieux pas prendre de risques. Comment on fait pour entrer? Quelqu'un a laissé une échelle sur le bus. Fais-moi grimper pour que je la descende. Ok, on va d'abord regarder s'ils ont rien laissé. Essaie de ne pas te faire tuer. Merci, Bill. On va recharger nos armes. Bon, quand tu veux, Ellie. Pardon, c'est ma faute. Tout va bien. Il faut qu'on accède au capot du camion. Merde, vous entendez? Ils arrivent! Vite, petit! Bon, alors on entre en vitesse, on récupère la batterie et on fiche le camp d'ici! Bordel, j'ai fermé la clé! Ils sont en train de s'agglutiner contre la barrière! Elle veut pas tenir! Il faut qu'on entre pour atteindre la batterie! Allez, c'est bon! On peut y aller! Vite! Vas-y, Ellie, quand tu veux. Ouais, on a trouvé quoi?
tu veux. Bill, dépêche-toi! Allez, dis-moi que t'as fini! J'ai vite. Quoi? J'ai vite, putain! Les gars! Bill, on va où? On va où? Pas là, en tout cas! Allez, mange-toi, tu viens! Ils sont prêts! Ok. Bon, je crois qu'il est temps. Comme je disais, je crois qu'il est temps d'arrêter. On continuera la prochaine fois. Donc, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.